je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, je vais commencer par ma dernière Disney Fairy, c'est la Fée Clochette, que j'ai reçue ce matin. Tu l'as reçue ce matin? Ouais, donc j'avais une review. Je la montre ou je vous la montre? Bon, je vous la montre un petit peu. Donc, je ferai la review normalement demain. Voilà. Donc, voici mon premier achat. Maintenant, mon deuxième achat, c'est une figurine Sonic pour fêter les 20 ans. Encore? Voilà, il y aura la review bientôt. Ensuite, je vais vous montrer la figurine trop mignonne pour accrocher à des câbles. Donc, j'ai acheté vendredi 13, Jason. C'est pas samedi 14. J'ai acheté Alien. 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 Gizmo de Gremlins. Freddy. Ah bah dalle, c'est et Predator. Voilà. Donc 5 euros, ça coûte une figurine. J'ai acheté un Spider-Man que je ferai une review rigolote parce qu'il s'accroche au mur. Je suis allé à Jolly Doll aujourd'hui et j'ai acheté une Mary Jane, magnifique, pour ma pelette Nanette, je pense, ou ma nouvelle que je vais custom. Alors justement, à Jolly Doll, ce que j'ai acheté pour ma custom Pulip McKinnon, des bottes montantes noires à lacets. Et j'ai acheté aussi des fossiles. Alors des cours pour mettre en dessous et au-dessus, donc les paupières supérieures, des cils assez étoffés noirs. Voilà. Donc je suis allé à Jolly Doll aujourd'hui, c'est super sympa. Alors sinon, j'ai acheté des figurines pop. Alors, j'ai acheté Michelangelo de Tortue Ninja. Voilà. Et j'ai acheté The Walking Dead, donc The Governor Rick Grimes. La deuxième Rick Grimes, c'est la version saison 3, avec des cheveux un peu plus longs et un peu de barbe. Voilà. Donc ça, il y aura les reviews. Ensuite, ce que j'ai acheté... Alors, bon, je suis allé à Graphigro pour acheter de... Pour la Fimo, en fait, c'est du vernis. Et c'est pour faire un effet gloss sur ses lèvres, ma Pulip. Donc, par-dessus. De la colle forte en spray, ça n'a rien à voir. Et, en fait, des pinceaux donc pour faire de la peinture acrylique sur ma Pulip. Et voici le noir pour faire le maquillage. Voilà, les cils ou des eyeliners. Ce que j'ai acheté aussi dans le thème un peu Pulip, c'est des gommes. Donc, super les gommes parce que c'est de la nourriture. Donc là, on a un sandwich. Aussi, il y en a une boisson, une canette, encore une autre boisson, donc ça, c'est boisson japonaise, là un jus de raisin, là un donut, et là des sets, alors un set burger, frites, hot dog, et là un set gâteau, voilà, c'est trop mignon, c'est super sympa, c'est à l'échelle pour les pulipes, je ferai des mises en scène. Je suis allé chez Claire's aussi, et en fait, comme j'aime beaucoup les lipsticks... boisson pétillante Coca, Fanta, j'ai acheté un set limité comme cela, Coca-Cola. Super beau avec Fanta, Coca, comme ça, j'adore. J'ai acheté ça, je trouvais ça mignon. Je crois que c'est un gloss, mais j'en mettrai pas, bien sûr. Et ça, c'est un masque de nuit, super. Donc quand on va chez les amis qui a de la lumière, regardez. Tac. Voilà. Donc ça fait un peu fille, mais je m'en fous. Ensuite, pour ma pulipe, j'ai acheté donc des crayons aquarelles, voilà. Donc, quand je vous avais montré la technique, comme ça, je vais pouvoir la refaire. J'ai acheté 3 mangas assez anciens, Inuyasha, mais ils sont toujours d'actualité. Ils sont 50, je sais pas combien. J'ai acheté un CD J-pop Ami Suzuki ancien. Et pour finir, un film qui fait peur, Cujo de Stephen King. Voilà. Et ah, j'ai aussi acheté Injustice, un jeu vidéo sur PS3 édition limitée que je voulais depuis longtemps. Regardez avec Superman, Batman, Wonder Woman, plein de méchants et de gentils, des super-héros, voilà. Et il a l'air super bien ce jeu. Voilà, j'ai hâte d'y jouer. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour les reviews. Salut! Salut!